La plupart ne se sont pas revus depuis la guerre de Corée. 68 ans après, ces familles nord- et sud-coréennes se retrouvent enfin. Suite à un rapprochement des deux Corées, près de 200 familles sont en ce moment même réunies dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kumgang. Lee Gum-sum a 91 ans. Elle va rencontrer son fils dont elle a été séparée alors qu'ils essayaient de fuir pendant la guerre. Je suis sûre que je ne le reconnaîtrai pas. Il avait 3 ans, mais maintenant il en a 71. Et il ne me reconnaîtra pas non plus. Je veux savoir comment il a vécu toutes ces années, s'il a été élevé par une nouvelle mère ou si c'est son père qui l'a élevé tout seul. En 2000, plus de 100 000 Sud-Coréens s'étaient portés candidats en espérant se réunir avec leur famille. Mais le temps est compté pour les survivants de la guerre. Plus de la moitié de ceux qui s'étaient inscrits sont aujourd'hui décédés.